Et bonjour à Salut tout le tous. monde. Du coup, on a quitté Oyan, Oyan hier. hier. On a pas fait. On voulait faire la. On voulait aller à la montagne de Marron. La Danone qui est à côté. Ouais, c'était juste à côté et il faisait pas beau. La Donc veille du départ, on voulait y aller, puis en ouais. plus, vraiment un temps de cochon, donc on dit laisse tomber. Du coup, pour de la montagne et de la forêt, c'était pas super top, donc on a laissé tomber. Et on est arrivé à Huée. Et Il voilà. pleut. Et... Alors un conseil, hein, si vous voulez aller dans le centre du Vietnam, n'y allez pas pendant la saison des pluies parce que franchement, il y en a qui nous disent ouais, on est parti parce qu'il pleuvait. Ouais, quand même. Non, franchement, c'est franchement nul. Du coup, là, il est en mode dépression. Tu te mouilles dans tous les sens, tu peux pas faire de photos. Ben oui, bah écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On peut pas Puis avoir que 35 degrés tout le temps. comme partout dans les rues, les motos sont garées sur tout le trottoir, les taxis au bord, donc en fait, il faut circuler. En plus, avec la pluie, non, c'est la cata. Mouchon. Donc Bon, voilà, donc on ouais. sait pas ce Et qu'on va après, faire. on avait prévu 5 jours à Huée. Ouais. Et du coup, ce matin, en discutant avec notre hôtelière, en gros, en fait, en 2 jours de visite, normalement, Huée s'est pliée. Donc, elle a été même jusqu'à nous proposer d'écourter notre séjour si on voulait. On doit vraiment être chiant. Non, mais Non, mais elle est non. honnête, quoi, du Mais coup, elle est là. honnête, franchement. Et quel hôtelier te dirait Ouais. non, bah non, il y a tout plein de trucs à visiter, vous en avez pour 3 semaines, alors qu'en fait, t'en as pour 2 jours. Non, c'est honnête. C'est honnête. Donc voilà, on est aussi. Bah oui, hein, demain c'est le réveillon du nouvel an. Du En train de coup, voir où est-ce qu'on va le ouais, on faire. est en train d'essayer de voir. Normalement, on est 2-3 familles là sur Huée, donc on devrait peut-être se retrouver. On est en train d'essayer de trouver un restaurant de 1 qui ne ferme pas de bonne heure et de 2 qui fait une soirée spéciale. Bon, ça, c'est pas gagné. Voilà, on est en train de s'organiser ça et puis je pense que ça devrait être sympa. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Donc, on dirait que ça se calme un peu, on va voir. Si on va aller faire la citadelle ou les. Parce que c'est le palais de l'empereur là qui est pas Oui, parce loin. que le problème, c'est qu'à Huée, Tout est loin. alors tout est loin, Non, on m'a bah 10 km oui, quoi. ouais, voilà, mais tout est en extérieur parce que c'est que des mausolées, des tombeaux, des trucs comme ça, et voilà, donc dans des parcs, il n'y a pas beaucoup de visites à faire en intérieur. Donc, on va y voir ça. Sauf si tu te plantes dehors. Tu veux une corde ou ça va aller? Non, il n'y a pas de point d'accroche. Ah mince. Bon, bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. La suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. Ou pas du coup. Allez, à plus. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisaient leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, on a pris notre courage à deux mains, on est parti sous le petit Deuxième crachin. tentative de Ouais. sortie. Il faut y aller hein, parce que sinon on fera rien ici. Et là, on est à la cité impériale donc de Huée. Je vous montre ça. Donc voilà, là on a la porte où il y a les billets. La belle porte. Et on va aller voir ça sous l'eau. Attention, il y a des grosses flaques, les filles. Rendez-vous au marché. À prendre dedans. Avec les grandes douves. Et derrière nous, on a un fort d'inspiration Vauban. Parce que les Français avaient participé à la construction, a priori. C'est ce qu'on a lu. C'est une cité impériale d'inspiration chinoise, dans le guide, je crois. Architecture. Là-dessous. Allez, on va voir ça. Donc là, on a deux grands bassins. Je crois qu'il y a des poissons, les filles. Des grosses carpes. Donc, il nous dit bonjour, même. Et des petits noix, on les voyait à peine. Donc là, on a deux bassins de ce côté-là.
Vous allez voir ça. On vient de monter en haut de la porte là. Hop. Comme d'habitude, hein, il y a un gros tambour en tonneau d'un côté, de l'autre côté, je suppose qu'il y a une cloche. On va y voir ça. Comme je disais, à l'autre bout, il y a une cloche. Il faut qu'on chasse la signification de quoi tourne une cloche et un tambour. Là, on a la vue sur les douves. Oui, Choupi. Allez, on va y voir le palais. Donc là, on vient d'arriver à un pavillon. Une belle porte là, peinte. Tu veux faire une photo, non? Non, je le sens pas. Ok. Alors, c'était la porte mieux. Ah, c'est en français. Il y a un français dedans. Un bel escalier, ouais. Et derrière, on va voir la cour. Sinon, il va se faufiler. Un petit tour dans les jardins et puis on va aller voir la suite, hein. Bon, là on a la résidence de la mère et de la grand-mère de l'empereur. On est juste à côté de la cité interdite rouge, on va aller voir juste après.
super joli là. J'en sais rien, il y a un truc qui fait du bruit tout, ça doit pas être... Si, c'est un poisson, il y a des poissons. Oui, c'est cool. Donc là, on a un petit plan. Donc on est rentré par là tout à l'heure, on a vu les deux bassins, on est monté sur la porte, on est passé sur le côté. On était voir ici le pavillon, hein, c'est le nom est revenu, donc le pavillon qui fait tout ça qu'on a vu tout à l'heure. On est ressorti, on est passé là. Là, on a vu, alors tout ça c'est en ruine. Ouais. On l'a quasiment pas filmé parce que c'était tout en ruine. On est ressorti et hop, et là on est là-haut. Et là, le petit bassin qu'on voit là, c'est celui que je vais vous montrer qui est juste derrière moi. Ouais, ce bassin-là. On a fait qu'une partie de l'aile gauche. Ouais, j'arrive. Là, c'est le joli bassin que je vous ai montré sur le plan. Là, il y a une maquette. Tout vide. Après tout ça c'est encore en entier, donc ça c'est le premier pavillon qu'on a fait. Donc là bah, c'est le grand pré, on est passé à côté, là il y a des habitations, hop, mon gros doigt c'est pas facile. Donc là c'est tout ça qui est en ruine, on a vu. Non, je dis bêtise, pardon, non, ça se fait partie de l'autre, c'est celui-là qui est en ruine. Et nous on est là-haut avec le bassin que je viens de vous montrer. Alors je pense que la partie du milieu c'est vide, c'était que des habitations, on va voir, mais je pense pas qu'il y a grand chose. Et la partie centrale encore, qu'on va aller voir, est sur le côté là-bas. Allez. Des jolies petites sculptures un peu partout là. Donc là on est dans la cité pourpre, la cité interdite. Oula, désolé pour la lumière. Là, c'est assez joli. Je sais pas ce que c'est ce beau bâtiment au fond, en restauration aussi. Il est chouette. C'est bien décoré. T'as vu la fenêtre, c'est en forme de cygne. Des jolis jardins. Dis que c'était quoi ce truc là? Parce qu'après il y a le théâtre et ça il a dit que c'était quoi, je sais plus. On va aller voir. Ah, il y a la bibliothèque. Allez, on va à la bibliothèque alors. Là on redescend de la bibliothèque. On va aller voir la salle de lecture. Donc la salle de lecture est juste là. Et donc là, c'était la bibliothèque. Petit détour par un jardin là avant d'aller à la salle de lecture. Ça va peut-être y aller aussi, je sais pas, mais c'est super chouette. On voit la bibliothèque derrière. Ouais, reste là. Oui, des petites carpes. Va voir là-bas, voir les poissons. Avance. Il n'y a rien de spécial là-bas. C'est pas notre direction où on va. Ils vont pas. Ouais, quand vous arrivez, ils se sont dit, avec le petit pont là. Trop mignon ce petit pont. J'adore les trucs comme ça, avec les petits ruisseaux et tout, c'est trop beau. De lecture, hop.
Rose. Il y a un skate dedans là ou non? Ah, c'est trop mignon le petit chemin. Hein? Des tables. Ouais. Là, c'est l'endroit le plus joli que j'ai vu de la matinée pour l'instant. Moi aussi, mais je parle que du temps. Moi, je parle du jardin, des petites allées, tout ça. Ouais, ouais, voilà là-bas, au portique en roseau. Bon, je sais pas où on va, mais il y a un petit jardin par là. On va voir ça. Encore des canaux par là. Pour le réveillon, je sais pas si vous m'entendez, mais on est dans une espèce de barrette, c'est une horreur, le son c'est à fond, on s'entend pas parler, c'est une catastrophe. Bon, ça y est, finalement, on a trouvé pour faire le réveillon. Regardez. Allô. C'est bien. Bon, au final, fini là, au burger du coin. Après le resto où on a attendu des heures pour pas grand chose. Des Québécois, des Français. Ah merde, des d'autres Français, ah, oui. Ça marche. Ça, c'est une bonne blague. C'est l'histoire de trois familles, deux Françaises, une Québécoise. Ils vont au resto. Ils n'arrivent pas à manger. Du coup, finissent au burger du coin. C'est excellent, j'adore ça. C'est un burger de l'année. C'est le meilleur réveillon de l'année qu'on n'aura jamais fait.
Bon, ce matin, on se lance dans un sacré truc. Ça va être une grande première pour nous. Un waterpark abandonné. Ouais, on va se lancer dans une petite expédition d'urbex. Voilà, donc parc abandonné. Et on n'y va pas tout seul aujourd'hui. Et on y va en groupe. Regardez le groupe. Avec les copains du réveillon. Il est là, le groupe. Ouais, c'est les copains du réveillon. Il y en a qui ont, dans leur hôtel, ont proposé un van là, de 16 places. Ouais, on a tous pris un van, ce qui revient beaucoup moins cher. Et c'est vachement plus sympa. Qu'en prenant un Grab. Et surtout qu'en fait, le prix qu'on paye, c'est le prix de l'aller en Grab. Donc du coup, c'est même pas le retour, c'est juste l'aller. Donc du coup, ça arrange tout le monde, c'est cool. Voilà. Et puis les filles sont contentes aussi d'avoir des copains. Les filles sont contentes, elles ont les copains, les copines. Nous aussi, discuter d'échanger entre voyageurs. C'est ouais. Cool. Tout le monde là, est francophone. Surtout que, en fait, nous on monte et eux ils descendent. Donc du coup, on s'échange des infos. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Et voilà, il fait bon aujourd'hui. Ouais, il fait bon. On a eu un rayon de soleil tout à l'heure. Un petit peu lourd même. Voilà. Allez, on vous emmène, on vous montre ça. Bon, il pensait avoir quelques statuettes là. Oui, parce que c'est pas vraiment. Ah, c'est un truc. Bien. C'est de l'île de Pâques là. Où est-ce la tête ? On pourrait dire son corps. Mais c'est chelou son truc. Ah ouais, mais il y a un grand. Genre de grand lac. Par exemple, là, on a une vitrine. Ah, je connais les. Alors, ce parc, il a ouvert une seule saison. Et apparemment, il a fermé à cause de manque de touristes et manque d'eau, j'ai vu sur internet. Ah, ouais, manque d'eau, je comprends pas pourquoi, mais. Non, parce que c'est pas un pays qui a un problème d'eau en général. Il a duré seulement une saison. Ouais. Allez, on prend le petit chemin en tuit, hein, t'as dit que c'était là. On va voir si elle, on va aller dans l'antre du dragon. Un petit fromage fondu avec des mouillettes. Est-ce que c'est bon ? On arrive au dragon, au fameux dragon. Vas-y. Qu'on a tous vu sur internet et qu'on voulait voir en vrai. Mais non mais c'est ça, nous c'est ça même. Ah t'as pas le temps d'être là. Mais c'est la chose. Allez, on va aller voir ça de plus près. Il est vraiment défraîchi quand même. Donc, j'ai pas eu beaucoup, moi, c'est j'entends ce que fait les lectures. Tu disais que le parc a opéré seulement. Il a été ouvert qu'une seule saison. Apparemment, ils l'ont fermé parce qu'il y avait un manque de touristes et un manque d'eau. Ce que j'ai lu. Manque d'eau, je vois pas pourquoi, mais oui, ouais. Donc, c'est une mauvaise traduction, mais. Ah, bah, il y a même un casse-croûte dedans. Le casse-croûte. Non, de bière. Le truc est abandonné, t'as quand même de quoi boire, c'est énorme. Ouais, ils sont toujours là pour faire du business un peu. Mais je crois qu'en fait, ici, tu peux te monter un commerce comme tu veux, il n'y a personne qui t'interdit. Non, il n'y a que dans les temples que c'est un peu plus limite. Regardez les night market en Thaïlande, puis les enfants me disaient, c'est trop cool, pourquoi on n'est pas ça chez nous? Je disais, comment ils font à manger? Nous, là, les règles, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est tellement compliqué. Ne vous penchez pas! Ne vous penchez pas! Et t'as les autres qui disent ça, ils sont beaux! Dans l'idée, j'aurais bien aimé qu'ils montent pas sans nous, mais bon, je crois que c'est trop tard. Ah! Y'en a quand même en bas! Qu'est-ce qu'elle fait, Rose? Mettez pas les pieds dans l'eau! Elle est responsable! Là, il y a sa grosse patte! Ouais, c'est là, ouais, c'est la queue, c'est la fin là. Oh là oui. Ah ouais, mais ils ont fait, d'accord. Ils ont même fait l'intérieur du dragon. C'est rigolo, hein. Ouais. Et sinon, l'entrée, c'est par ici. Fais attention, ça glisse. D'accord. Thank you.
Oui. Un peu plus tard. À un moment, c'est un peu plus tard. Je pense que c'est rapide ça. Il y a 5 ans. La végétation, vraiment, regardez là, l'arbre, il y a les racines qui passent là. C'est encore en plus moderne. C'est toi qui as fait moins. Je parle sur le principe en fait, sur le fait que la végétation en prenne le dessus. Marcher près du mur, pas au bord. De quoi? Ça doit être trop cool, ouais. Approche pas du bord les filles, d'accord? Oui, ok, d'accord. Impressionnant. Et voilà, donc vu des toboggans vus d'en bas, c'était un sacré truc quand même, c'était sympa. Hein, les filles, elles sont là, ouais, j'aimerais trop revenir dans le passé pour en faire et tout. Je les comprends, ça donne envie, ouais. Mais aujourd'hui, un peu moins. Allez, on va faire le tour des piscines et puis on va y aller. Il y a des petits ponts sympas là. Des couloirs, on peut passer tout. Là. C'était vraiment chouette. Hein. Avec le lac à côté, ça faisait vraiment nature.